Frère Maxime, bonsoir. Comment nous en forme? Moi, je viens pour te un élément d'information pour nous. Demain, 12 mai, il y a une grande réunion qui a fait aux États-Unis sous question de Haïti pour former une commission pour question de dialogue juvénile avec l'opposition. Hein? Radical ou proposition modérée, c'est-à-dire quitter mon petit temps pour me saluer, bon Dieu papa, qui a tout le pouvoir qui crée ces lactéas, qui toujours passe ses anges lui au Lord pour veiller sur chaque monde qui est sur la terre. Mais en même temps, tout, moi, m'a dit nous, fais bon Dieu confiance et bon Dieu lui-même. La passe des anges au Lord pour nous veiller sur nos toute activité noyée, dans toute tête chargée noyée, un bon Dieu avec nous. Qui donc, en j'en dis, il y a une commission qui a formé demain pour question bagaille dialogue Haïti avec Monsieur Jovenel Moïse et pour opposition radicale là ou opposition modérée. Pour venir sur l'autre élément d'information pour nous, actuellement, aux États-Unis, à Georgia, il y a des gros pirates qui entrent dans le gaz à Georgia, ils ont piraté gaz à eux. Actuellement, il y a une grosse investigation qui a mené, qui coûte pirate ça passé. Est-ce que c'est la Russie? Est-ce que c'est un autre pays? Alors, on va faire entendre exactement qui ça et on va expliquer nous comment ça y est sur question Haïti et sur question gaz aux États-Unis. État américain, OEA, a parlé pour former une commission qui pourra aller en Haïti pour faciliter le dialogue entre acteurs qui impliquent la crise politique haïtienne, non, ça les protagonistes. Et on a pile débat sur la commission ça pendant un pile secteur parmi le gouvernement qui regrette que c'est une institution étrangère qui pourra jouer un rôle ça. Et le gouvernement n'a pas rappelé que d'après ça, que l'ambassadeur du pays d'Haïti, dans Washington, il y a un rôle représentant permanent pays d'Haïti auprès de l'OEA par intérim en parlant de l'ambassadeur Edmond Bocchi. Il dit que c'est OEA qui te mettait à la disposition de Haïti et il demandait que le gouvernement fait demande là, le gouvernement fait demande là et qu'on y aille à parler de même pour former commission ça qui pourrait le gagner pour venir en Haïti. Et l'objectif là, c'est faciliter le dialogue entre protagonistes dans le pays d'Haïti. Et le gouvernement dit que déjà, il y en a un bon pas avec le dialogue. Ça. La petite dossier Haïti pour entrer ici aux États-Unis, côté autorité, a enquêté pour qu'on ait, si oui ou non, la Russie gagne à revoir dans l'attaque cybernétique qui fait dans un système réseau de transport produits pétroliers américains depuis 20 semaines. Jean-Robert Philippe Dino, enquête préliminaire révélée, semble piratio et cap chercher l'argent d'invasion dans le pays, la Russie. Jean-Robert Philippe, et une autre fois encore, dis-nous non plus sous question ça. Ça est bon, comme ça, que l'administration américaine en bas en grotesque, la carte est un petit peu même commencé entre président Joe Biden avec l'administration russe là, après, dans ça, considéré pirate, qui est censé attaquer un réseau de distribution de produits pétroliers dans l'État de Georgie. Et c'est une question que le président Joe Biden a rencontré la presse hier. Et il n'est pas appelé directement l'idée russe là, mais il dit le fait que. Pirature est basée en Russie. Ça t'a montré que la Russie a une responsabilité là-dedans et c'est une question que nous allons discuter avec pendant une rencontre que nous allons faire avec lui, non pas du pas commun. L'attaque cybernétique qui s'allie avec la Russie et qui fait des systèmes de distribution pour les pétroliers aux États-Unis, c'est une attaque criminelle. D'après une déclaration, le président Joe Biden fait le 18 mai, l'idée américaine a déclaré à la responsabilité de l'UTA pour éviter l'impact de l'attaque là qu'a appuyé sur les zones de distribution gazoline. Président Biden a fait une déclaration préparée à l'avance, pas capable de confirmer l'implication du gouvernement de cela.
réseau de distribution système gazoline qui est basé dans l'État de Georgie, fait 600 opérations par mesure de précaution depuis vendredi passé. Après, il y a été attaqué quelques systèmes réseau de distribution, d'après officiel américain. Le compagnie dit qu'il a travaillé avec consultants sécurité cybernétique pour évaluer les dégâts et puis déterminer qui devient assez sécurité pour commencer l'activité en ligne. Compagnie, d'après déclaration du Conseil national de sécurité intérieure avec assistance sécurité nationale américaine, Elizabeth Sherwood Randall, fait par journaliste avant que le président Biden ne prenne la parole dans la Maison Blanche. Puis, il y a un an, il a augmenté son marché de façon rapide, pour pas jamais moins de 7 ans. Pour parler de la Maison Blanche, il a déclaré que c'est ses compagnies qui doivent prendre une décision, mais il n'a pas dit si nous prenons compagnie coloniale la payer, puis il a dit. On est là, d'après votre parole là, pas de problème d'approvisionnement sur le marché. Le groupe qui est détenu d'Amsaï, le gang criminel cybernétique russe, publié une déclaration le 18 mai pour dire objectif lié avec attaque là, c'est pour faire l'argent, on est pour créer problème dans la société. Dans la déclaration, qui n'a pas dit qu'il y a de l'argent qu'il y a à chercher, eh bien, il y a ajouté du bravet lié avec le criminel cybernétique par Elio. Pour éviter les conséquences sociales, l'autre attaque à l'avenir. Dans notre là, il y a ajouté pour la parfait politique et il n'y a pas de associé à aucun gouvernement. Le gouvernement américain a publié une déclaration disant dimanche, on ne passe jamais ouest après l'attaque cybernétique qui bloque la distribution de gasoline dans la partie l'Est des États-Unis. Le FBI a confirmé que Darkseid est responsable de l'attaque cybernétique qui fait sous les autres distributions coloniales. Là. Les Sosabio a ajouté de continuer à travailler avec les compagnons, ensemble avec l'autre partenaire qui a participé à l'enquête-là, pour faire lumière sur ce qui s'est passé exactement. Quelques parlementaires américains viennent dans des pays à demander protection, pigeon, dans l'infrastructure énergie importante des États-Unis, qui c'est une priorité pour l'administration. Moi, passé à l'administration, qui a lancé une nouvelle initiative pour renforcer la sécurité cybernétique dans le secteur électrique-là. Déclaration du département de transport américain valable jusqu'au 8 juin pour l'utilité. Il demande pour chercher l'autre route alternative aux États-Unis pour transporter pétrole avec gaz et puis soulager les restrictions pour chauffer le travail supplémentaire et puis dormir moins pour capable de transporter du pétrolier dans 17 États, dans l'État sud avec l'Est des États-Unis, y compris Washington DC. Bryson Bott, qui est conseiller dans l'Army Cyber Institute, déclaré sur la voie d'Amérique. L'Elgoncé et sa fait quatrième attaque pour sa fait sur le secteur énergétique là pendant 6 derniers mois. Et bien pour lui-même, il semblait si on a pas ciblé. Effectivement, j'entendais là, c'est une enquête qui n'a débuté. Donc, il y a plusieurs agences américaines qui sont impliquées là-dedans. Et vu que ça a représenté une attaque qui fait soit fait, et compagnie qui a fait distribution pour du pétrolier qui touchait au moins 17 États américains sont beaucoup alliés et pas bien que pétrole a tous représenté sa tarée de sécurité nationale. Donc, c'est raison qui fait autorité américaine pour avoir pris précaution et avant qu'il était pour ouais. Dans quelle mesure, non seulement pour éviter que l'on pourrait avoir ça pas arriver à l'avenir, mais tout chercher qu'on est exactement qui côté. Que M. Pigat a eu localisé, c'est vrai que je dis que c'est en Russie, mais est-ce que pas une autre Pigat en l'autre côté pour éviter que si ça n'a pas vite créé ça, on l'a pour l'aille dans le réseau de distribution pour du pétrolier et nous prenons aux États-Unis tout disturbance, souviens, tout est trop qui a gagné dans la distribution pour du pétrolier et ça a créé pas plus de problèmes, surtout pour l'économie américaine en Japon. Oui, Jean-Aubert, il y a plus de monde qui perdit l'argent, on ne peut pas citer nos monde. Mais quand tout le monde a perdu l'argent dans l'investissement qu'il a fait, dans le stock market et dans l'autre encore. Donc, dans la situation que vous avez pour nous, dis-nous les niveaux, Jean-Aubert. Eh bien, bon, vous n'avez pas ça qui est bon pour nous, vous n'avez pas juste combien de temps que la France a fait. Est-ce que le président Biden est obligé de temps jusqu'à ce que nous comptons avec le président ou ça pour discuter des questions avec? Est-ce qu'il y a des étapes qui ont franchi à l'avance même, ou dans même mettre le monde ça, le pirate ça, mettre les souillons, mettre les devant la justice pour éviter que les gens d'attaque ça, passent souvent, arrivent encore ou si pas souvent, mais tout, et chercher qu'on est tout. Est-ce que pas l'autre pirate qui l'autre côté, ou même tout, qui sont ciblés, intérêts États-Unis, que ce soit aux États-Unis même. Ou bien dans leur pays. Merci Jean-Aubert Philippe. Vous retrouvez Jean-Aubert Philippe demain matin dans Facebook Live pour capable de gagner toute sa capacité en Haïti et à travers le monde et dossier ça son
persécution. On allait dans la région Moyen-Orient, où il y a pile de violence. Israël lance plus d'attaques aériennes encore sur la région Gaza pour 9 matins, où il frappe un gros commandant Hamas. Militants, bon côté palestiniens, ont même tiré 250 missiles sur Israël. Il y a deux femmes qui mourent. Et bien, une fois, ils ont dit que c'est une première victime que Israël subit dans le cas de violence. Il y a 28 Palestiniens qui mourent parmi eux. Il y a 9 petits mondes que ils ont reporté. Et puis, il y a un monde qui blessé tout. Et il y a un premier ministre Benjamin Netanyahu qui dit que ils ont décidé d'augmenter et renforcer force yougain dans la zone. Et il dit que Hamas va recevoir un pile bloc, un pile attaque encore que patate attend. Maintenant, la Russie, qu'on y a, la Russie, au moins 7 élèves, ils ont enseigné avec un lot de travailleurs mourus à balle. Les ils ont net avec des pour faire coup de sable, je dis pas dire, dans l'école primaire, dans la ville qui est Kazan. Il y a 21 monde qui sont blessés parmi eux, il y a 18 monde et il y a 6 qui très grave. Et puis, Roustam Minikhanov, qui est président de la région Tatarstan, eh bien, il déclarait qu'il a arrêté un seul tireur. Donc, mais il n'y a pas de Spaniens, l'autre monde encore, qui complice dans le dossier. Et puis, il n'a pas fini pour nous dire que nous avons signalé que Iden Berendoive, c'est Miss Haïti, il va représenter le pays d'Haïti dans Miss Univers, c'est le concours beauté ça. Qu'a fait dans Miami et date là c'est 16 mai 2021. Nous avons une interview avec Napkin pour nous partager l'avant très bientôt et d'ailleurs il se trouve se voir une distinction dans mes ambassadeurs pays d'Haïti dans Washington en parlant de ambassadeur Bokchi et moi. Donc un peu de monde qui dit faut nous soutenir Haïti et avec pour ma Miss Eden Berendoive capable de porter couronne pour Haïti. Mes amis, nous pratiquement arrivés dans